Je dis à nous pour faire une émission qui pas même gens à toute émission. Tenez bien. Nouvelle yo tombé tant kou yon coûte l'orage. Gen kè ki content mais kon sa tout gen kè ki pas trop content. Lè ou pran yon nèg tan kou Ariel Henry ou pran yon fam tan kou Madame Leslie Maniga pou m cite sa yo seulement. Ou ap remake an tan ki chef autorité nan la kou peyi d'Haïti. Pandan arrestasyon 4 kriminèl sa yo ke peyi aux États-Unis fè nan kad asasina président Jovenel Moïse. Ou ta wè, yo réagi, yo ta baye conférence de presse, et si ta gon journaliste ki ta arrive devant yo, ki ta mande ki sa yo comprenne, mwen gen l'impression ki ya bébé, et là tout, li ta suppose gen des journalistes ki ta doué mande yo yo interview, li ta mette, si ta, à travers de yon appel téléphonique, yo n pa réagi, Jean Ariel Henry remè tweeté. Fada di, laptay, an de dan twide. An mi, mesdames, messieurs, se paske, nan minute sa, moun za yo, pou nan ale pi loin, nan pemet mwen. Pou mou sa, bunda yo nan yon recho. A me, ok. Nou pral mette sa la. Paske nan kal emisyon sa, nou pral fowe plizye koule, et nous allons avoir des informations qui clés. Nous gagnons, yon compatriotes nous, yon camarades de combat nous, qui à travers les émissions ça, qui pourra passer un petit temps ensemble avec moi, et me souhaiter nous prendre ça nos billets pour nous tendre, messieurs ça, son journaliste qu'on fourrait nous. Qui va expliquer nous des bagailles qu'elle est plus loin qu'elle pèse. Et puis là, la République arrive à comprendre. Assassinat président Jovenel Moïse pas de jambe yon ti bagay ki piti la gala vin compliqué. Jean Foucault a dit zo a kouke nan goj kriminel yo. Ah mais exactement et ça Antoinette Diclet te dit Don Kato te mélangé avec Pierre Espérance qui dit Don Kato, qui dit l'autre acolyte Lio, John Jorel Joseph, qui touye Antoinette Diclet. Li te dit nèg yo gren parole ça, dans siècle ça nous dit là, si nous rive assassiner yon président, nous tout a pran prison et n'a fini politiquement parlant. Bon, m'a mis ça là. Tenez bien. Amen, mesdames, messieurs, bagala a pas avancé. Mais dans la déclaration que nous avons entendu là, aux États-Unis déclarent clair la fête des arrestations de monde qui ont acquis, qui acquise des institutions qui sont dans la cour aux États-Unis. Mais, t'as semblé, yo-même, yo pas de l'ordre pour arrêter des monde qui la justice dans le pays d'Haïti. Ouais, t'as coup des monde qui intouchable. Là, on est t'as coup Dimitri Vob. La, le, alors, mais si yo yon de liye, nèk sa yo tout apan kodoui, mais on nèk tankou Ariel Henry, nou pral tande la, ta semble si la justice nan peyi d'Haïti ki pouta arrete msye. Bon, si yo la ge bagala kon sa, nou nan dlo. En tout cas, mais nou poko fin nan dlo net nou, parce que la justice, Amerike pa même mien, avec pa Haïti ya, yo pa koute de nèg k ap radote dey yon micro et puis nèg k ap di entèl nan bandi entèl nan bandi pa bli yo même yo gen service secret yo gen service secret yo ki time même jan avec Henri Dominicaine genyen l tout et ki assez pi rapide et ki assez efficace. Tenez bien mesdames et messieurs, voilà bagay yo tombe te kout l'oreille garanti nou avec support international là et si pas peuple haïtien si tout bon vrai
Nous voulons justice pour Jovenel Moïse, n'ap jwenn ni. Et n'ap jwenn ni pendant année ça. Moi réaliser ça. Parce que là où il y a une enquête, il y a des services secrets, il y a des téléphones qui sont écoutés en Haïti, pas comme ça, même j'aime garder moi, la police l'a gué à vie de recherche derrière Joseph Félix Badjo. Et pendant ce temps, il a parlé dans le téléphone. Est-ce que le téléphone n'est pas sous écoute? Parce que il a mis le téléphone Jimmy Cherizier barbecue sous écoute. Parce que je me dis ça, je l'ai mis sur Terelim. Téléphone monsieur a pé découpé la pé découpé la pé découpé et puis c'est et puis l'âme devine comprendre téléphone monsieur sous écoute. Très bien. Mais yo doit mettre téléphone Joseph Félix Badjo sous écoute. Mais Léo d'après touyer Jovenel Moïse nous pral connaître toute bagaille qui était faite tout téléphone monza yo dans la coup pays d'Haïti Digicel gain toute conversation ça yo. Alors, ça a été entre eux. Mais en tout cas, Jovenel Moïse a besoin de justice, mesdames, messieurs. Après sortie, ancienne première dame, nan, qui c'est Martine Moïse, nous capables, ouais, gagnons certains de ti embrayé là, ti salope sa yo, c'est dégoûté, yo prend nan men Dimitri Vob, pour yo capable parler, pour yo capable détruire. Premier dame non gagnon enquête qui en coup ça y a dit sou moun pa ka fè yo arrêter moun mais comme yo habitué détu moun avec bouche yo déjà c'est même détu ça que nèg les robes les abdallah pour me citer ça seulement dépenser gros l'argent et puis pour faire diversion pour créer des altercations et puis pour arriver yon yon moyen pour yo capable assassiner président Jovenel Moïse, bien facile. Là, pour un nègre qui dit Martin Moïse, tu en as fait avec chef sécurité qui est mort. C'est des nègres. Non seulement ils ont créé visibilité pour eux parce que c'est un paquet de crédit qui a suivi eux. Et puis, ils ont aidé Dimitri Rob faire bataille 50 ans. Parce que Dimitri Vob a bataille pour 50 ans. Plan li, c'est pour pays d'Haïti rive nan men parce qu'il connaît pays ça qui qualité richesse les gradan que peuple haïtien pas connaît. Bon, nous allons avancer tout petit. Nous avons madame Wendell Kok qui c'est un juge à l'époque dans la cour de cassation, dans la cour pays d'Haïti. Ah mais qui campait pour tuer Jovenel Moïse? Pour lui même pour le cayon poste nous gagnons Emmanuel Zanor c'est même bagaille ça yo nous pral ouais là nous pral découvrir nous pral tendre et en plaisant pral ban nous passer m'a lagué émission dans mon journaliste là m'a lagué net pour le fait travail parce que la république doit au courant de qui ça a passé qui était niveau criminel mon grand bagaille m'a dit non avant nous arriver plus loin mesdames messieurs. Nous, des jeunes garçons, des jeunes femmes, qui ont essayé d'écraser en quête Jovenel Moïse là. Mais malheureusement, ils ont écrasé dans le pays d'Haïti, mais ils ont écrasé aux États-Unis. Ça, c'est clair. Ils ont essayé de faire diversion, qui ont mené Dimitri Vob, mené bataille 50 ans, que Boulos te dit qu'il n'a pas qu'on perdre la bataille, qui ont aidé Boulos mené bataille après assassinat président Jovenel Moïse là. Des jeunes femmes, des jeunes garçons qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans la cour Canada, à l'autre côté, et la prière, c'est des gens pour nous paix. Parce que les gens essayent à détruire un bagage, la fait diversion, qu'on ne sait pas où, et le connaît avec ça la faire, son père médiocre, captain d'elle, son père baba, l'a essayé de détruire des caractères, les gens qui parlent pays. Depuis poche, les plein. Zafet si pep, li moutou li abo pep, la defan pep, tout moun ki reme pey d'Haïti ki m'garanti nou noir si blanc, la kampe abo Jovenel Moïse. Parce que qui vle di Jovenel Moïse jouen justice, c'est justice pep haïtien. Ça clair, a gen sorti de là. Ouais, m'a mande nou pour nous prendre des précautions. Avec des ti bagay sa yo, des ti ravet sa yo. Des petits volets, ça y est. Des petits huissiers, ça y est.
des petits voyous, des petits vermines, qui pas chercher travail pour faire, qui pas aller chercher choc pour y aller conduire, parce que yo pas gagné aucun métier dans main yo, yo pas gagné rien dans tête yo, les yo prend yo dans la police et voler al voler. Là on courir derrière yo pour yo pas gâter famille. Famille en fait gros marathon voyer au Canada. A dans la tête yo, tout monde gè dossier là. Alors, et pas ça qui intéresse nous parce que nous-mêmes dans média, n'a mené une bataille collective pour nous capable de jouer une justice pays d'Haïti. Et pour une raison nous camper bon côté assassinat président Jovenel Moïse. Ça c'est clair parce que n'a mené une bataille peuple, nous pas mené une bataille poche. OK. Madame, c'est très bien. Nous allons démarrer émission là pour capable tendre une série de gros dossiers. Et m'bral bon regarder un tweet Dimitri Vob fait après assassinat président Jovenel Moïse. Ouais, vous capable garder ensemble avec moi tout à l'heure. Mesdames, messieurs, comment nous y est? Une salutation spéciale à chaque grain sur une plateforme dans capitaine Dim, n'a salé Andrea et spécialement n'a salé Nexama, n'a salé tout compatriote nous qui en bas émission ça capitaine nous à travers diaspora et en République dominicaine dans pays Chili Brésil nous saluons tout le monde avec un pile d'amour. N'a demandé c'est la première fois ou tomber sur plateforme c'est là. Li important pour abonner si ça pas déranger pour faire partie des gros coquins famille ça et puis exactement n'a demandé pour partager émission ça dans tout groupe WhatsApp quel que soit sur tout territoire parce que nous besoin parole arriver plus loin parce que bataille ça n'a fait avec l'esprit n'a fait avec cerveau n'a fait avec technologie et puis comme ça n'a rejoindre vrai Haïti que nous besoin c'est clair il y a sorti de là ici. Qu'est-ce qu'il y a l'appareil? Technicien, information. Fami mio, zami mio, quitte ou en province ou Port-au-Prince. Cours à l'étranger, quel que soit côté dans le pays dans le monde, en ben, assurez-vous avec quel bien faut pas, nous entrer la caillou dans la minute là. Quel que soit ce qui a passé dans le pays d'Haïti, cours à l'étranger, en ben, avec. Gagnez vos parents, assurez-vous que vous avez une information de bonne source sans mettre, sans mettre. Nous, c'est gagnez vos parents. Toujours, toujours dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse, en nous tendez une déclaration ça, ensemble avec moi pendant un petit temps. Après ça, nous allons remettre l'émission avec Wendy Fell, compatriote, nous camarades de combat. Nous avons fait un bel travail. Nous tous salué Wendy Fell dans l'émission. Et nous salué toutes les familles, amis, et plateforme Inison nous qui en bas et émission Gabi Info pour là. Exactement, nous saluons. Nous allons entrer. Technicien, mettez-vous ça en l'air pour peuple là pour moi, s'il vous plaît. Mettez-le pour moi. Ok. Tenez bien, mesdames, messieurs. Vous allez en l'air pour nous là. Mackenzie Lapointe, qui te gagne à Cli, assistant procureur général Matthew Olsen, te baille une conférence pour la presse dans Miami. Aye. Là, wap tande toute déclaration. Wendell Kok, yon te fait, yon sa teye, tande bien, très bien. On a prépare le même côté, on a passé l'élection Zenville pour Caraïbe FM. Aye, Madia. Par le contact la presse, autorité la justice yo te confirmé arrestation 4 messieurs sa yo et puis parler des prochaines étapes dans dossier. Antonio Entriago, 59 ans, vénézuélien qui est résident aux États-Unis et qui s'est propriétaire City U Security, colombien et puis résident permanent Arcangel Pretel Ortiz, 50 ans, qui lui-même c'est opérateur City U Federal Academy LLC. Walter Ventemia, 54 ans, directeur capital Linden Group ak Frederick Bergman, 64 ans, kap viv Tampa, se kat moun sa yo, FBI arrêté. Kat misye sa yo, joun arrestation yo, apre plis passe 1.5 ans depi FBI te lancé enquête li sou dossier sa. Individu sa yo ki basé Floride, akize paske yo si pote complot ki te vise d'abord kidnappé Jovenel Moïse, ki tapre al transformé en assassinat.
Un triago que agent FBI a cherché, c'est responsable CTU, compagnie ça qui était recruté mercenaires colombiens. Selon le journal Miami Herald qui citait sous la justice aux États-Unis, enquête là focus plus qu'on y a sous question armes, gilet pas balle et financement assassinat. D'après ça, le département de justice américain précisé dans un communiqué, dans le fin mois avril 2021, 20 milliards avec société là qui est le World Ride, ont accepté de contribuer dans le financement d'un coup d'État, côté le bail, ils ont valé l'argent crédit axi. 20 milliards, attendez bien. Là, vous pouvez comprendre, réaction Madame Wendell Cook qui accepté pour kidnapper Jovenel, après ça, tout y elle. Et puis lui-même, pour lui prendre place là. Tout y est, oui, tout y est, fin avec net, tout y est. Ça veut dire que des criminels a yo, qui campaient pour tout y est au président. Et nous-mêmes, ces peuples-là, ça veut dire que si armé bandit, si voyez zam, si bay bandit, chablende, que la police yo, a fait travail l'État. Ça pas un yé pour yo massacrer ti peuple là pas un yé. Depuis, criminel zayo capable de rive assassiner yon président de la République que moun vote. Avec dire que qui sa wap ton avec Ariel Henry? Qui sa wap ton avec équipe criminel sa qui touye yon président? En avance, Lixon Saint-Ville. Yak City yon qui évalué à 175 000 dollars américains. Citoyen ça, t'es voyé l'argent tout ben l'autre monde qui t'es dans complot en Haïti pour t'es acheter cartouche pour opération. Même Jacques Arcangel et Pien Triago, 20 milliards t'es espéré la joindre bénéfice financier à travers compagnie qui c'est Worldwide. Si toutefois y'a t'es remplacé président Jovenel Moïse, c'est ça autorité la justice pays États-Unis fait connaître. Selon document accusation département justice d'il disposé, planification avec des pensions t'es al fait dans Sud Floride entre mois avril al mois juin 2021. Yo cité par exemple Arcangel Pretel Ortiz et puis Antonio Entriago qui c'est responsable CTU qui t'es recruté yon groupe environ 20 ressortissants colombiens qui ont même gagné une formation militaire. Dans moun sa yo, la justice américaine cité par exemple Rivera et Palacios qui t'a assuré sécurité Christian Emmanuel Sanon. Bergman lui-même t'est venu un partisan et puis un investisseur qui t'a aidé dans bail l'argent pour louer caille pour Colombien en Haïti. Citoyen ça t'a travaillé tout avec Sanon et puis Triago pour voyer dans pays à 20 gilets balistiques qui gagne non city yo sou yo. Selon document la justice, monsieur yo t'a fait faux document exportation pour te permettre matériel ça yo arriver en Haïti. Yo rappelé tout dans le document, ancien sénateur John Joel Joseph et homme d'affaires Rodolphe Jarre, yo tous les deux t'ai aidé dans jouer des armes avec diverses autres formes support pour opération ça qui t'ai abouti à assassinat président et rivé réalisé. Département de justice fait connaître dans mois juin 2021, l'an après évoluer parce que Arcangel Entriago avec 20 Mia et puis l'autre comploté encore. T'es réalisé docteur Sanon a gain qualité constitutionnelle ni soutien populaire pour venir président d'Haïti. Dans sens ça, selon document la justice américaine, monsieur Yodi a pris un ancien juge coup cassation Pito. J'ai ça que procuré Mackenzie la pointe pas de vle citer non dans conférence là. T'es passé un contrat avec CTU et puis Worldwide pour servir intérêt financier. Moun Lixon Saint-Ville a parlé là relé Madame Wendell Cook, criminel Wendell Cook, louga ou fini. A grand moun sa yo pa fè nan pays pour pouvoir. En avance, petit garçon. Si et compagnie sa yo, yon fois li rive chef l'État. Nan date 6 juillet, monsieur qui impliqué nan complot yo te rencontré nan yon kay ki tout près résidence président nan Pèlerin 5, kote yo distribuye zam ak matériel nécessaire pour opération. Mission, selon document accusation yo, c'était touye patron agri translan, ça y est arrivé fait tout bon vrai dans date 7 juillet, soit yon jour après. N'a fait connaître si yon jwenn yon coupable de ça yon akize yon wa, Arcangel, Entriago, Vendemia, Solage, Vincent, Garcia, Palacios, Rodolphe Jacques, John Joel Joseph, risqué, passé tout 13 vies yon en prison.
alors que Bergman et Sanoy eux-mêmes risquaient jusqu'à 20 années derrière barreaux. Depuis après la mort de Jovenel Moïse, ça fait au total 11 individus qui trouvaient en prison aux États-Unis, spécialement dans l'État Floride. Pendant ça, Christian Emmanuel Sanon, Joseph Vincent, James Solage et Herman Alejandro Rivera Garcia, qui étaient transférés dans la Floride ça y a environ 2 semaines, ont comparaître devant le tribunal fédéral jeudi mercredi 15 février. Pendant que dire ça, 4 suspects clés à eux ont bien pour prendre connaissance de l'accusation du gouvernement américain portée contre eux. Depuis l'État Floride aux États-Unis. Lexon Saint-Ville pour Caraïbes. Bon, c'est clair. Ok. Mesdames, messieurs, à nous prenons pour nous passer 10 bonnes minutes ensemble avec compatriotes, nous, Wenzifel. Assassinat président Jovenel Moïse, nous avons trouvé Wenzifel qui a une place li là, sur la plateforme ça, qui est très bien pour nous. À travers les émissions, monsieur, en autant de 10 minutes seulement, la donne. Nous ne parlons pas en pile, non. Ce qui bagaille en pile. Wenzifel, à l'appareil, Zamim. Bref, Frédéric Bergman, il a arrêté M. Tou, et M. fait partie de branche qui a financé l'opération tous les jours de Moïse, selon ça. Et FBI dit dans le document que yo publié. Nous allons venir avec détail pour nous. Selon sa procureur l'a dit dans la conférence de presse hier, monsieur fait qu'on est moun sa yo que arrêté aujourd'hui et qui en prison actuellement aux États-Unis d'Amérique dans 4 dossiers ça, c'est des moun qui violent la loi américaine et puisque yo violent la loi américaine, eh ben il a fait face ak justice américaine non j'en sa supposé fait ça que hier m'a discuté avec mon nèg qui t'a dit ben la justice américaine tout prend dossier non la justice américaine a arrêté moun qui impliqué non dossier ça la justice américaine a jugé une série de moun ou bien a arrêté une série de moun pas parce que forcément yo participé dans tous les Jovenel Moïse mais parce que yo t'es participé nan complot qui t'est fait en partie yo t'es participé non on branche nan complot mais avec une intervention qui gon lien direct avec territoire américain. Oh. Il doit t'es participé nan tous les Jovenel Moïse pour pas gain aucun rapport avec la justice américaine, pas penser que yo pral vinn là et puis yo arrêté à l'avant. Non. Correct. C'est ça fait me dit non. Yo même yo gain chance et pas yo cap arrêter Ariel Henry. Tenez bien oui. Ça veut dire que ça c'est nommé la justice un pays d'Haïti parce que Ariel Henry sont haïtiens, les planifier pour contre lui avec des criminels des secteurs privés mélangés avec des étrangers et puis tous les Jovenel pour pouvoir un peuple là fait travail. Wenzifel à l'appareil petit garçon. Fuck d'une manière ou d'une autre participation là ou bien implication là li est comme si à un moment où t'es un comportement qui t'est lié directement qui t'est touché territoire américain américain d'accord selon sa procureur a dit moun sa ou violé les lois des États-Unis d'Amérique et par conséquent yo a fait face à la justice américaine il fait qu'on est hein il poursuit pour le dire. Les États-Unis d'Amérique pas toléré moun qui a fait des complots sous territoire américain pour commettre une série de actes à l'étranger même gens tout les États-Unis d'Amérique pas toléré des moun qui étaient à l'étranger qui a fait des complots pour commettre des crimes sous territoire américain. Correct, correct. Alors type de émission ça yo c'est difficile pour une série de nèg feyo parce que c'est de subtilité conseil de petit bagaille yo pas montro yo yo pas ka feyo donc selon ça pour que a dit moun sa yo nou moins que les États-Unis arrêtent l'agent une sorte deal tout à l'heure c'est des moun qui gen un lien d'une manière ou d'une autre avec les États-Unis d'Amérique parce que soit yo c'est les Américains soit yo t'y voyager yo t'as participé dans des rencontres sous territoire américain etc pour venir faire crime dans le pays d'Haïti. Correct. Est-ce que nous bien comprenons Zamblé dit non donc là nous est
Très clairement, selon ça, la justice américaine dit là, pas penser que c'est tout le monde qui est impliqué dans le crime ça. Non, dossier ça, nous pourrons venir avec échange pour. Ortiz avec Intriago, Nexao, t'es entamé des discussions avec Emmanuel Sanon depuis le mois de février 2021. Emmanuel Sanon, ça, n'a pas rappelé. Monsieur était opposé avec Jovenel Moïse. Monsieur son opposant farouche. Jovenel Moïse. Et à ce moment-là, Sitiou t'a accepté. Entrer dans la démarche. T'a accepté accompagner ça dans la démarche. Là. Et c'est comme ça. Yon après à rentrer en contact avec Worldwide Capital Lending Group pour que structure ça te entre dans le plan, notamment par un financement. C'est Worldwide Capital ça qui t'a pris financer Emmanuel Sanon. Et propriété. Et propriétaire société ça, Ventemia, monsieur t'a accepté financer ça non par le biais de CTU et depuis une période ça, il était en bail 175 000 $ comme ça. Et gagné un pilote l'argent que il t'a pris bail les amis tout au long des plans. On a parlé en février, Jovenel Moïse assassiné et 7 juillet 2021. Ça veut dire toute mars, avril, etc. Donc, c'est le bagaille à l'évini, transaction qu'a fait. Là, il a découvert, là, il a pris un téléphone, 20 milliards, il a contrôlé le téléphone, non? Il a vu, il a rendu compte que il y a des échanges entre 20 milliards avec Ortiz. Et il a vu, il a un ensemble d'éléments de preuves électroniques qui montre très clair que ni Ventemia ni Ortiz étaient au courant de ce que t'as pral fait là. Ils étaient au courant que c'est tout lié. Ils t'as pral touillé Jovenel Moïse. Et Ventemia connaît très bien. Il t'a fait, il t'a dépensé l'argent ça, mais c'est un investissement qu'il t'a fait parce que justement, une fois que au fin éliminé Jovenel Moïse, il prend pouvoir, eh ben, le sali même, il t'a pris bénéficier d'un ensemble de marchés dans le pays d'Haïti pour le tirer comme l'IA. Dans le mois d'avril, selon sa enquêteur, il dit, bon, il y a une réunion qui est faite, on va pas le tourner sous ça parce que on va pas aller faire répétition, nous, ouais, par exemple, photo ça sous écran, et pratiquement tout suspect qui ont là y a participé même si nous parlons on est un coup Ortiz lila dans réunion ça probablement c'est lui qui fait photo yo. Non Miami là toute bagarre est faite. Mesdames et messieurs, selon ça FBI dit, selon ça des politiciens américains, les responsables américains ont fait qu'on est. C'est Antissa qui a essayé piéger FBI dans un dossier. Parce que justement, Ortiz, monsieur, était en information, son informateur actif de FBI dans un moment côté que complot a fait pour Aldo et Jovenel Moïse. Et à un moment donné, Ortiz, avec Solage et Vincent, ils ont rencontré quelques enquêteurs du FBI. C'était le 6 avril 2021. C'est comme si nous, monsieur, t'a dit FBI que ont un ensemble d'informations pour au bail, puisque c'est des informateurs. FBI pensait que c'est des informations concernant ce du monde en Haïti que ils ont appris le bali. Et puis, le négro est venu dans la rencontre là. Il a parlé avec un FBI que vous avez rencontré, hein, de questions de coup d'état dans le pays d'Haïti, de changement de régime, parce que le peuple a pas les journaux, etc. Et en réponse, agent FBI que vous avez rencontré, hein, il dit que FBI n'est pas gagné ça pour mission. Et FBI n'est pas capable d'entrer dans ça que vous dites là, pas capable de participer dans la question de problèmes politiques qui est dans le pays d'Haïti. C'est ça. En tout cas, agent FBI là dit
Non, enquête qui t'a fait qui fait un rapport que n'a plus pour là. Et donc, du coup, si nous tendez en pile mon a cité non FBI, c'est parce que éventuellement une tentative qui est faite pour que Négio t'ait impliqué FBI dans le dossier ça. Selon document, moi même pas fait aucune conclusion sur ça. Ça qui est intéressant là dans l'émission que n'a fait, c'est parce que FBI pral découvrir des messages audio. Des messages écrits entre Solange, Sanon, Vincent, Rivera et puis Monsieur Sao qui est États-Unis. C'est pour ça, FBI, où elle est entrée dans le pays là et nous, le gouvernement, et possibilité pour que vous portiez aller aux États-Unis. Vous joignez un ensemble de messages qui montrent très clairement que quête, fuck, yo arrêté Ortiz et pour arrêter Ortiz, faut que ça là, etc. Parce que y a des bagailles pour dire, y a des explications pour y dire, pour bail en fonction de justement message ça, conversation ça que joue sous téléphone et monsieur. Par exemple, dans une conversation qui était gagnée entre Ortiz avec Solange le 20 avril 2021, Ortiz déclarait à Solange que Jovenel Moïse, son volet, et un ensemble de bagages que le dit sous Jovenel Moïse. Et puis, le fin parler avec Solage, lui demander pour Solage capable supprimer les supprimer messages. tout message qui compromettant yo, et au cas où il t'a arrêté lui pour que yo capable jouer, pas jouer une conversation que le gagne avec Solage. Vous voyez? Abdou série de bagages, ou même il s'est volé, etc., etc. Et puis, coule fin balle avec cela, il dit, si vous voulez messagerie, pour si toutefois, vous t'a arrêté, pour pas jouer une message. Le 21 avril 2021, Solange voyait un message by Ortiz avec une liste d'équipements militaires que ont besoin en Haïti pour être capable de mener opération. Selon ça, FBI dit, dans le message, ça, Solange dit, Ortiz, comme ça, il y a besoin d'une quantité de fusils M4, il y a besoin des mitrailleuses, il y a besoin M60, donc des mitrailleuses M60, il y a besoin des Kalachnikov, il y a besoin des bottes de combat, il y a besoin des grenades, il y a besoin de masques. Masse à gaz, ils ont besoin de gilets pare-balles et ils ont besoin plus passer 20 000 cartouches comme ça pour être capable d'amener opération. Opération hein, pour être capable d'aller tuer président Jovenel Moïse. Ça pour nous souligner pour vous, Napton. Qui est-ce qui cache derrière ça? D'ailleurs, autant de James Solage, Emmanuel Sanor, autant de compatriotes ça yo, autant de yo là. Mais, qui est-ce qui te vini avec premier ça? Faut que John Joel Joseph parle, faut que Emmanuel Sanor parle. Ça veut dire que, et on, ça c'est des messages qui sortent, que des professionnels, mais que dehors. Mais, maman cause ya, derrière. C'est comme si m'da dit yo, ça s'est tranché avant accouchement. Comme on a payé Mgonzi, ça s'est troqué là. Chaïla deye. Napton. Nap bataille. Merci avec Wenzifel qui te pote plus précision pour nous. Et merci avec vous même tout qui t'attendez. M'a quitté ou là. N'importe bagay, n'a pas avancé. Très fort. Justice pour président Jovenel Moïse. Que criminel yon vle, que yon pa vle, n'a bataille. M'a quitté avec la paix. Pour bon Dieu que dans le ciel là. Bye bye. À la prochaine.